want to thank Jacques. Jacques is a very big eco trailer. He did all the eco trailer that exists at the moment. Another big up. This is from Nicolas. He wins the first 80 eco trail Geneva. Deuxième édition de l'Eco Trail, 1er juin 2019. Et j'ai un petit message pour Patricia de la part de quelqu'un qu'elle connaît qui s'appelle Bruno. Bruno, il te remercie pour le covoiturage de ce matin. Parce qu'il n'y avait pas de tram et puis c'est la première fois qu'il vient à Genève et en Suisse d'ailleurs. Ouais. Il est venu pour faire l'Eco Trail, première édition. Puis il était à côté de moi, on a commencé à parler. Voilà. Alors. Obrigado, Patricia! Spectacle! Alors, on est où? C'est vous? Et j'attends le repas à la fin! On est au Zébo, là, on est à 15 km environ. Pour l'instant, il fait un peu frais. Mais il y a le soleil qui commence à se montrer. Et ça va vite commencer à chauffer. Ils ont prévu 27, je crois, 28 degrés. Alors, on va le finir, hein? Até já, Patrícia! E a toda a gente do Ecotrail de Genève, que corra tudo bem e vemo-nos no fim. Um abraço! E salve a todos que correm Ecotrail. E Bruno vem de Pobre Verzi, de Portugal. Bruno é em train de me falar de seu repas hier soir. C'était? Bacalhau Mateus Rosé. Azeitonas, termossos de entradas e. Não sei mais, já não me lembro. Le repas. Le repas du trailer portugais la veille de 80 km. Pas mal, hein? C'est une tradition avec Sean. On s'est perdu une deuxième fois pour la deuxième édition. Ça, c'est la première fois, mais il y en a eu deux. Hein. Donc il y aura une deuxième fois. Donc, on va demander un remboursement. Avec 27 degrés, c'est le moment de prendre une douche. Ah, c'est sûr que je vais l'attendre. Voilà ce qui nous attend au 50e kilomètre, 50e ou 52e je crois, presque au pied du Salève. Et là-bas, il y a la montée du téléphérique, et ben il va falloir passer par là-bas, faire toute la traversée jusqu'à Orgebet. On fait la montée d'Orgebet, on traverse en haut et puis on va descendre par Mentier. Alors après 50 km, ben, c'est pas du gâteau. Il y a des gens qui ne comprennent pas, effectivement, et puis il y en a qui font beaucoup plus que ça. Hein. 80 km, quand on commence à courir, on se dit effectivement c'est beaucoup, mais après une année, on arrive facilement à faire 80 km, voire plus. J'ai commencé à courir effectivement il y a 2 ans, mais sérieusement, j'ai pris le trail et le marathon, les entraînements depuis un an. Je crois que c'est le challenge, c'est aussi quelque part se dépasser, et puis... Je pense que c'est un virus. C'est un virus. Quand on a fait déjà des 30, des 40, ben on a envie de tenter le 50. Puis quand on a terminé le 50, on a envie de taper le 80. Et puis on va toujours un peu plus loin. Et en plus, on s'aperçoit que ben, notre corps, les limites qu'on estimait il y a des années en arrière, pour celui qui est débutant, il se dit bah, tiens, je fais mon 5 km, c'est difficile. Ben, on peut pousser ça très très loin, aller jusqu'à 80, 120, 180. Il y a des 360. Voilà. Je suis tombé là-dedans par hasard. Je ne suis pas quelqu'un qui.
qui courait ou qui aimait courir. Et comme je devais faire un test, le test Cooper pour un poste, et là il demandait justement le test Cooper, donc j'ai commencé à courir et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi, parce qu'au bout de 300-400 mètres, je suis rentré chez moi. Je me dis, c'est juste pas possible. Mais à force de persévérer, puis quand tu te fixes un objectif, si tu as vraiment envie d'atteindre tes objectifs, je pense que c'est faisable et on prend vite le virus, effectivement. Il faut gérer les ravitaillements, ce que tu prends sur toi, la préparation la veille, 3 mois avant également. Donc c'est toute une question d'organisation. Mais après, le fait d'être tout seul sur la route, c'est pas un problème. De toute façon, tu croises toujours d'autres trailers ou qui sont devant toi, ou tu les rattrapes, ou tu en as qui sont derrière et puis ceux qui te rattrapent. Et puis tu as toujours une discussion qui est là. C'est vraiment très sympa comme ambiance. T'es un chef. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne suite. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Bonjour. Ah, c'est juste. J'ai eu 2 ampoules il y a 10 jours. Ouais. Puis aux 2 endroits, c'est encore sensible. Ouais. Mais ça tient pas. Et puis j'ai mis du tape par-dessus. Mais comme ça me fait un petit peu mal, je ne sais pas dans quel état c'est. Alors là, il faut être extrêmement prudent parce que un accident est vite arrivé. D'où l'importance d'avoir toujours une bonne paire de baskets adaptées au terrain, que ce soit du trail ou sur du bitume. Ça, c'est primordial. Ah, il fait super chaud là. Nous avons de la chance d'avoir le Salev pour les trails. Autant la montée de Montier, c'est celle que je fais là en descente, que celle de l'Orgebès, sans compter toutes les autres. Mais également le Reculet qui se trouve dans le Jura à 1800 mètres, je crois. C'est vraiment sympa pour les entraînements et ce parcours de l'éco-trail qui passe justement par le Salève. Il est très très sympa. La descente du Salève, elle est finie. Il reste une 15 kilomètres, il me semble, jusqu'à l'arrivée aux eaux vives. Vous avez le Salève là. Très belle journée. Un peu trop chaud. Maintenant vous connaissez le parcours, du moins une partie, puisque le reste c'est du plat jusqu'à l'arrivée. Eh ben, il vous reste plus qu'à vous inscrire pour l'année prochaine pour l'EcoTrail 2020. À vous de choisir votre parcours. On est à quelques mètres de l'arrivée. Je vous présente Jorn. Hello. Il est allemand. Je comprends pas ce qu'il dit. Et lui non plus d'ailleurs. À partir du 50e, j'ai pratiquement explosé parce que problème à l'aine. J'avais eu 2 ampoules lors du marathon de Genève et c'était encore assez sensible. Donc j'ai dû m'arrêter au point de secours pour mettre un pansement et puis j'ai marché une bonne partie du parcours parce que je ne pouvais pas courir de toute façon. Et puis là on est en train de finir ensemble. Et voilà, on est à Genève plage déjà. On est à 300 mètres de l'arrivée. Je te dirai demain ce qui m'est arrivé. C'est pas possible, vous avez fait quoi? Bravo, bravo Paolo! Magnifique! Bravo!